Bonjour à tous, allez, on y va pour une vidéo spéciale et bien pour ce qui va se passer pour les jours à venir avec Tomb Raider Remastered 1, 2, 3. Alors, on a appris il y a quelques temps et bien qu'il y allait des fuites ont passé un petit peu sur l'annonce pour ce qui allait avoir avec ce Tomb Raider. Alors, déjà, bah, ce Tomb Raider qu'on attend, hein, qui va sortir le 14 février, et bien on a appris un petit peu ce qui allait avoir, ce qui était donc ces petites rénovations sur ce Tomb Raider que vous voyez et bien en fond derrière moi. Alors premièrement, on va avoir le droit pas qu'à simplement à une simple remastered, puisqu'il va y avoir plusieurs choses qui vont être possibles grâce à ce jeu. Pour le gameplay déjà, commençons, il sera possible pour ceux qui ont découvert eh bien, les Tomb Raider avec Anniversary, Légende ou même Classique, eh bien, pourront switcher hein, avec eh bien, ce gameplay. Ils pourront soit avoir une Lara qui est aussi fluide que dans Légende et Anniversary, mais ceux qui sont nostalgiques, pourront également recontrôler une Lara un peu plus lourde comme les originaux. Ensuite, pour ce qui est des boss, il va y avoir ces petits changements. Les boss, eh bien évidemment, ils vont avoir une petite barre de vie au-dessus de nous. Alors vraiment discrète, hein, pour éviter eh bien, de perdre un peu ce qui était ces premiers Tomb Raider. Donc cette barre de vie qui va permettre de voir combien de temps il nous reste avant la fin du combat avec ce boss, va permettre de changer. On pourra également, évidemment, ça on l'a vu avec aussi la bande-annonce dès qu'ils l'ont annoncé, la possibilité de switcher, d'avoir la version remasterisée ou eh bien pour les plus nostalgiques, encore une fois, de jouer avec les anciens. Alors ceux qui sont comme moi et qui ont ces Tomb Raider originaux depuis Steam, ça ne va pas leur changer grand chose puisque évidemment on les a. C'est ce que je trouve un peu dommage, mais ce qui est beau aussi pour ceux qui eh bien, avaient ces jeux sur PS1 et qui n'ont pas eu la possibilité d'y rejouer. Évidemment, on le sait qu'il y aura avec, pour toute cette fois, toutes les plateformes, les DLC présents à l'époque juste pour la version PC. J'espère également qu'ils vont mettre les musiques. Alors normalement tout devrait être carré hein, de façon à ce que chaque plateforme soit égale, hein, qu'il n'y ait pas comme sur à l'époque. La PC n'est pas les musiques par exemple pour le 1, hein, pour ceux qui ont suivi mon let's play que j'avais fait sur Tomb Raider 1 original sur la chaîne version PC, on n'avait pas les musiques. Évidemment, là on l'espère qu'il va y avoir eh bien uniforme. Pareil pour les points de sauvegarde. La question que moi-même je me pose, c'est les points de sauvegarde. Est-ce que on aura eh bien toujours ces cristaux ou est-ce qu'on aura des petits checkpoints à voir? Peut-être que ce sera dans les paramètres puisqu'on peut changer beaucoup de choses dans les paramètres. Et pour finir, bah, pour les plus collectionneurs, les trophées, eh ben, oui, comme je l'avais un petit peu pensé, on va avoir le droit à 200 trophées à récupérer sur l'ensemble des jeux. Donc pour ceux qui sont férus de trophées, vont pouvoir eh bien s'amuser sur ces trois jeux de Tomb Raider, eh bien, à récupérer tous ces trophées. J'espère également que, eh bien, avec le succès que va faire ce jeu, hein, ça donnera l'envie eh bien, de continuer dans cette lancée et de remasteriser une fois de plus Tomb Raider 4, le 5, et bien évidemment le 6. Le 6 qui, comme on le sait, hein, faute de temps, n'avait pas réussi à être fini. Donc on espère beaucoup que ça permettra eh bien, de se dire bah, « Tiens, on va faire les autres » et de faire le 6 tel qu'il aurait dû être possiblement. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire moi de mon côté sur cet Tomb Raider remasterisé qui sortira donc le 14 février 2024, qui je pense beaucoup de fans ont hâte hein, de pouvoir reprendre en main ce jeu. Évidemment, si une dernière chose, on a appris aussi que eh bien, les objets collectables, les trousses de soins, les pistolets bah, vont pouvoir être, ont été remis en 3D flambant neuf pour pouvoir avoir une plus belle vision, hein, puisqu'on se souvient encore hein, de ces objets collectables hein, qui étaient tout plats, tout, en tout cas voilà. Voilà. Donc on espère que Aspyr, qui s'est occupé du projet, eh bien, va nous offrir eh bien, des moments de nostalgie et aussi du plaisir à redécouvrir ces Tomb Raider. Même si Crystal Dynamics, eux de son côté, de ce que j'ai cru comprendre, sont encore en train de préparer un Tomb Raider inédit. Alors, si possible, là c'est de mon point de vue, ça serait bien un Tomb Raider eh bien, dans ces graphismes-là, puisque les derniers sont bien, mais n'ont pas mis tout le monde d'accord, hein, surtout pour les joueurs qui ont joué à Tomb Raider depuis le début. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ce qui allait arriver. Hein. Évidemment, on fera également ces Tomb Raider remastered sur la chaîne. Bien évidemment, ils sont prévus, j'ai même hâte moi-même hein, de pouvoir les présenter et de pouvoir comparer eh bien, les originaux à cela, même si on pourra donc switcher et donc avoir la version originale ou même cette version remasterisée dans les mains.
En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de revenir en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre et de vous abonner. Et à très bientôt pour de prochains Let's Play. Allez, à bientôt!